Bonjour à tous, ici on va continuer sur la dérivée, et là on va se demander, mais qu'est-ce que la dérivée? Alors, c'est quoi la dérivée en premier? Eh bien, la dérivée, c'est la TVI. Dérivée, elle est égale à TVI. Et TVI, c'est quoi? C'est taux de variation instantanée. Taux de variation instantanée. Instantanée. Mais le taux de variation instantanée, c'est quoi aussi? C'est la pente de la tangente. Pente de la tangente. Vous vous rappelez, on a parlé de la tangente d'une droite, d'une courbe. Eh bien, le pente de la tangente, c'est la dérivée. Et c'est aussi la TVI. Alors, tout ce qui est taux instantané, c'est de la dérivée. Des exemples de taux que vous connaissez, la vitesse. La vitesse, c'est une dérivée. Et c'est aussi une TVI. Autre chose, accélération. L'accélération, elle aussi, c'est un taux. Donc, tout taux qui est instantané, c'est une dérivée. Moi, je pourrais dire même tout taux. En général, un taux, c'est un taux instantané. Donc, tous les taux que vous entendez, taux de variation, eh bien, vous devez penser à la dérivée. Alors, la dérivée, ben voilà ce que ça veut dire une dérivée. On parlera plus tard du champ lexical de la dérivée. Ça veut dire, quand j'entends dérivée, à quoi ça doit me rappeler? Pourquoi c'est comme ça qu'on va faire les résolutions de problèmes, mais ça, on va le faire plus tard. Donc, voilà pour ce qui est la dérivée. C'est le taux de variation, tout simplement. Allez, bye.